Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction direction la Corée du Sud avec le retour des BTS et leur nouveau titre, Film Out. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Big Hit Music. C'est comme si on filmait un vieux film comme ça. J'aime le fait que Jin s'avance et tout s'illumine comme un écran de TV comme ça. Ça reste simple, mais je trouve que ça va quand même bien avec l'ambiance de la chanson pour le moment. Oh, elle aime. Ils sont en mode pause, vraiment comme si vous aviez un écran de TV comme un film exactement et hop, on éteint. Ok, c'est de nouveau pas en mode pause. C'est comme si c'est Jin en fait qui voyait à travers écran. C'est quoi ce truc? Ce sablier qu'on peut retrouver dans plusieurs MV. Le temps qui passe. Fait du bien de revoir Suga. Ouh, j'aime beaucoup Suga Jio. Oh. Waouh, beaucoup d'éléments d'ancien MV je trouve. Comme si tout était détruit. Et bien que dire sur leur nouveau comeback japonais? Je trouve qu'on retrouvait beaucoup d'éléments de leur ancienne vie. Beaucoup de théories vont venir sur la toile, certes, et je vais regarder ça. Mais j'aime vraiment cet aspect très cosy, familial, entre frères, etc. Jin, on a vraiment l'impression qu'il est encore avec ce sablier, ce retour du temps, comme s'il allait de nouveau dans le temps pour gérer les problèmes des membres, etc. Comme s'il voyait à travers écran, comme si c'était un film. On voit même parfois les membres qui sont en mode pause, puis en replay. Enfin, en tout cas, le MV, certes simple, j'ai beaucoup aimé. Vraiment à la fin, quand tout explose, comme si tout avait capoté, comme si ça n'avait pas réussi, s'il avait
C'est comme s'il avait remonté le temps, mais que ça m'avait servi à rien. J'aime aussi beaucoup ses portes dans les nuages, mystère encore. Enfin, je suis un peu perdue, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les théories qu'il y a sur la toile. Je suis preneuse. Au niveau de la chanson, j'aime beaucoup, énormément. C'est pas parce que c'est BTS, mais vraiment, j'aime beaucoup cette chanson japonaise. Encore un petit coup de cœur du jour. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié dans le MV. N'hésitez pas à me dire toutes les théories à propos du MV. Est-ce que vous avez également aimé la chanson? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Yonara.